Bah, Jean-Patrice, Jean-Patrick Ngoï du Forum social du Nigeria et particulièrement du Bureau de justice et paix qui est de l'Église catholique. Je suis venu au Forum social mondial pour rencontrer d'abord et avant tout les collègues dans la souffrance, dans l'exploitation, dans la victimisation par le système néolibéral. On doit se connaître, échanger les expériences, échanger aussi les perspectives de lutte pour l'égalité fondamentale entre les hommes et femmes de ce monde. Vous avez certainement des idées et des propositions à leur soumettre aux autres collègues. Oui, d'abord et avant tout, moi j'ai un problème avec l'agressivité. Il est grand temps que nous puissions accepter, n'est-ce pas, que nous venons de loin. Nous avons eu des expériences très négatives et d'exploitation sanguinaire qui a tué les gens aussi bien en Amérique latine qu'en Asie, qui continue même à tuer en Afrique. On se dit, mais on peut se battre, on peut être agressif. Tôt ou tard, il faut s'asseoir pour négocier. Donc, pour moi, il s'agit d'inviter les uns et les autres à se mettre sur une même table de négociation. Le néolibéralisme a détruit suffisamment les humains. Il a détruit suffisamment la nature. On ne peut tout simplement pas continuer de cette manière. Parce que même eux-mêmes, ils sont en train de commettre un suicide. J'invite à une détente généralisée pour que les exploiteurs et les exploitants puissent s'entendre et dire « Reconstruisons notre monde ».